Bonjour mes bouquets, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois, bienvenue. Et si ce si, n'est pas la première fois, merci beaucoup et re-bienvenue. Aujourd'hui, je vous ai préparé un haul. Ça fait un petit moment que j'ai acheté ces items, donc pardonnez-moi pour le retard, mais j'étais trop excitée. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas partager cette découverte avec vous. Le magasin en question s'appelle Dish, D-I-S-S-H, et c'est la première fois pour moi aussi, et je suis impatiente de vous montrer ce que j'ai trouvé. Sans plus tarder, je vais commencer par l'item que je porte actuellement. Donc, ce haut en maille qui est extrêmement confortable, extrêmement de bonne qualité. Ce haut, nous l'avons vu partout, que ce soit chez Zara, chez Dynamite, toutes les boutiques high fashion ont eu leur version de cette blouse. Et sans surprise, c'est une pièce que j'ai choisi d'inclure aussi dans ma garde-robe pour sa forme classique et très élégante. J'ai choisi cette couleur beige, un petit beige pâle qui vient vraiment très bien s'agencer avec ma couleur de peau. Le prochain item que je vais vous montrer, vous l'avez certainement vu si vous me suivez sur Instagram, parce que je l'ai porté et je l'ai posté et j'ai eu des tonnes de questions sur d'où est-ce que venait la robe, et la réponse c'est la robe venait de chez Dish. Donc la robe en question c'est cette robe-ci, blanche évidemment, sans surprise, qui est extrêmement élégante. Elle est aussi très longue. Très longue, elle touche presque le sol. Ça donne une silhouette très élégante, et très classique encore là. On est très chic, mais sans trop faire d'efforts. C'est la robe parfaite si on a une journée simple où on doit passer la journée à la maison, puis on veut pas se casser la tête. Je trouve que c'est une robe parfaite pour ce genre d'occasion. Mais aussi, ce qui fait la beauté de la robe, c'est vraiment le détail ici, l'ouverture au niveau du dos, parce que le dos est tout ouvert, et l'ouverture au niveau du côté. Ça donne un effet très, très élégant. Et là encore, c'est très bien fait. La prochaine robe que je vous montre, elle aussi, vous l'avez vu passer sur mon Instagram parce que j'ai pas pu résister. C'est cette magnifique robe noire qui est extrêmement élégante. Très simple encore là, mais la silhouette, c'est ce qui donne le drame de cette robe. Et les petits détails au niveau des épaules, les boucles au niveau des épaules qui, elle aussi, vient donner un petit oulala à une robe qui, normalement, aurait été très simple. J'adore porter cette robe dans plusieurs occasions. Je l'ai portée pour aller cueillir des framboises. Je l'ai portée pour aller bruncher avec mes sœurs. Je l'ai portée pour un date. Donc, une robe qui est vraiment très versatile. Même chose pour la précédente. Elle s'adapte à toutes les occasions. Le prochain item que je vous montre est un duo qui est extrêmement élégant, qui s'adapte à toutes les occasions, mais là je dirais que on va un peu plus haut, on est dans quelque chose de plus soirée, ouais, dans un restaurant chic entre filles, avec notre amoureux, ça s'accorde parfaitement. Donc c'est ce duo-ci, j'ai un pantalon en lin qui est extrêmement de bonne qualité. Encore là, la qualité pour toutes les pièces que j'ai achetées, la qualité est 10 sur 10. On surpasse les attentes sans problème. Donc, on a ce pantalon en lin. Encore une fois, il y a une doublure à l'intérieur qui permet de
qui permet de cacher ce qu'il y a à cacher. Donc, il n'y a aucune transparence. Le pantalon à col, il fait très bien à la taille. Mon problème souvent lorsque j'achète un pantalon, c'est que je vais avoir à la taille l'espace qui manque. Donc, j'arrive pas à remplir très bien le pantalon, mais dans ce cas-ci, la taille, elle fait parfaitement. J'ai décidé de le porter avec ce haut, qui est un haut abedin, donc crop, de style crop top, mais très élégant lorsque c'est attaché ici. Puis comme le pantalon est taille haute, il n'y a pas beaucoup de peau qui est laissée à l'extérieur, à la vue de tous. Et on voit cette drame au niveau des épaules, au niveau des manches, qui est absolument magnifique et qui donne un effet très élégant. Encore là, rien de trop, rien n'est fait en trop. Tout est extrêmement élégant, tout est dans l'élégance. J'en ai aussi profité pour acheter une jupe midi. C'est la pièce qui me manque le plus dans mon garde-robe. J'en ai que deux, avec incluant celui-ci. Donc, c'était une belle occasion de voir aussi la matière et de voir aussi la qualité des produits. Et donc, j'ai profité pour aller chercher cette magnifique jupe. Mes attentes ont été surpassées. Encore là, la qualité est 10 sur 10, mais aussi au niveau de la taille qui fait parfaitement et de la silhouette qui s'agence vraiment au corps. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde la jupe ici, on voit très bien qu'au lieu d'aller tout droit, elle va vraiment prendre le tour des hanches et elle va revenir. Donc, ça donne une silhouette qui est très élégante et ça vient donner un coup de pouce au niveau des hanches aussi, surtout que si vous n'en avez pas beaucoup de ce côté-là, ça vient donner un volume. Mais c'est rien de trop, c'est rien de trop, c'est un volume qui est parfait. J'ai décidé de l'agencer avec le haut que je porte avec le pantalon et cette fois-ci, j'ai pris un petit risque en allant porter le haut à l'envers. On vient avoir un beau décolleté ici qui est très élégant, il n'y a pas trop de peau qui est montrée et on a toujours les drames, mais la combinaison est incroyable, incroyable. Je vois cette tenue, je me verrais porter cette tenue, toutes les tenues que j'ai en vacances, au soleil, en Grèce, en Italie. Je trouve que c'est toutes les matières, c'est surtout du coton et du lin, ça, qui ça donne très bien aux vacances. Donc, peut-être qu'il y a des vacances sur ma liste des choses à faire maintenant que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai profité de l'occasion pour aussi m'acheter un haut comme celui-ci. Et j'étais très contente lorsque je l'ai vu en vrai. La qualité est vraiment très agréable. Et en plus, il y a un petit silicone au niveau du périmètre pour empêcher que le haut tombe. Et c'était exactement ce que je recherchais. Et donc, j'ai pensé que ça serait parfait pour accompagner mes jeans taille haute ou peut-être aussi ma jupe taille haute. Jusqu'à maintenant, je l'ai porté avec un jeans taille haute. C'était très beau et très chic. Et je l'ai aussi porté avec une jupe taille haute et c'était aussi très beau. Et je crois que je pourrais aussi essayer de le matcher avec la jupe que j'ai achetée qui est dans ce haul. Donc c'est sûr que ce petit haut va être dans mon garde-robe pour plusieurs années encore. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis impatiente de vous montrer les deux tenues restantes. Donc je ne sais pas laquelle vous montrer en premier.
Mais... Ok, je montre celle-ci. Les deux prochaines tenues qui restantes sont... Il ne peut que parler pour elle-même. Donc, je vous montre. C'est cette magnifique robe de couleur curcuma qui est à couper le souffle. Et quand je vous dis, la couleur est aussi belle, sinon plus belle en vrai que sur la caméra, parce qu'on retrouve un glow qu'on retrouve normalement sur les vêtements en soie, mais on la retrouve aussi sur cette robe. La matière est particulière aussi, ce n'est pas de la soie, ça s'appelle du courpeau. C'est vraiment, je crois qu'on retrouve ça dans la doublure d'un manteau. Donc, c'est très lisse, comme de la soie, mais ça n'en est pas. Et la couleur, je crois que c'est la couleur qui fait que cette robe sort encore plus. Normalement, j'adore les robes en soie. Normalement, j'adore les robes de nuit. Style de nuit, dans toutes les occasions, vous m'en verrez porter partout, partout. Je vais porter une robe de soie. Dans toutes les occasions, je trouve que ça s'apprête. C'est élégant, c'est classique, c'est intemporel. Et donc, quand j'ai vu cette robe, j'ai dit, c'est la combinaison parfaite. C'était écrit mon nom sur l'étiquette. Et je n'ai pas pu résister. Aussi, on a un petit drame. La robe est très longue et elle touche le sol lorsqu'on marche. Puis encore là, on retrouve le même effet que sur la jupe, c'est-à-dire que la coupe n'est pas droite. Donc, on a un petit effet de volume sur les hanches qui vient vraiment accentuer le côté élégant de la robe. Et qui n'est pas de trop. La prochaine robe est elle aussi magnifique et je crois qu'elle clôt très bien ce haul. Elle vient donner le ton de ce haul au complet parce que toutes les pièces sont époustouflantes, mais cette robe, elle boucle la boucle. La robe en question est celle-ci. Il s'agit d'une robe qui fait beaucoup fifille, mais dans le bon sens, rien de fifille, pas enfantin, mais très élégant, très féminin, c'est ça. Le mot exact, c'est très, très féminin. C'est une petite robe blanche. On retrouve des boucles sur les manches qu'on peut porter avec ou sans les manches. Donc, des fois, comme ceci, donc on voit le boucle, on voit la boucle, les boucles ici qui donnent un drame, qui tombe sur les épaules, qui est magnifique. On a encore la silhouette très princesse, donc ça vient donner un petit drame et c'est vraiment le look parfait pour être féminin, chic et très élégant. Et encore là, cette robe. Elle va être dans ma garde-robe pour plusieurs années. C'est une silhouette qui ne démode pas. Donc, année après année, c'est certain que vous allez me voir la sortir pour certaines occasions, pour aller souper entre amis. Donc, c'est certain qu'elle est là pour rester. Aussi, j'aime la porter des fois les manches tombées ou les manches dessus sur l'épaule. Les deux effets elles sont très élégants et sont très appropriés pour les occasions très chic. Donc, c'est à vous de choisir. Mais je crois que cette robe clôt parfaitement le haul qu'on a eu avec Dish. C'est toutes des pièces qui sont intemporel, très classique, très chic, très élégant. Et je crois que c'était le ton de cette vidéo. Tout au long de la vidéo, on a vu que de l'élégance.
Et donc, aussi, c'est certain que les prix sont plus élevés qu'ailleurs, mais je pense toujours qu'on est mieux de payer un peu plus cher, mais de s'assurer que la qualité est là et qu'on va pouvoir porter le vêtement plusieurs années. Mes bouquets, j'espère que toutes les pièces que j'ai trouvées vous ont inspiré. Et si c'est le cas, dites-moi en commentaire quel est votre look préféré, quelle pièce de ce haul vous a le plus plu. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Restez belle, restez positive et on va se revoir dans ma prochaine vidéo.